bonsoir à tous. La 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 sainte journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Fastoche. Je m'appelle Brigitte, mais c'est de la folie. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr. Moi, je dis stop. Madame Dominique Pipon, ministre des Affaires problématiques, bonsoir. 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 Alors, permettez-moi, tout d'abord, monsieur Rouquier, de vous remercier de m'avoir invité dans cette excellente émission de divertissement et de fantaisie, hein, car contrairement à ce que l'on croit, politique et humour font bon ménage, hein, en témoignent les nombreuses blagues que le gouvernement fait quotidiennement aux Français, hein, notamment, souvenez-vous, le coup de la baisse des impôts, hilarant, le coup de la vignette auto, ou plus récemment, le coup de la migraine, et autres facéties. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette opération Petite Figurine Police Nationale? Alors, comme vous l'avez évoqué, avec vos excellents collègues chansonniers, dont je salue le talent. Le problème de la police, hein, des keufs, comme disent les... Comment ça s'appelle les jeunes. Oui. Voilà. Le problème de la police aujourd'hui est un problème d'image, problème de reconnaissance, problème de désaffection du public, problème de mésestime. Est-ce que j'ai dit quatre synonymes au moins? Oui, je crois. Hein? Non, parce que c'est important que les Français me comprennent, m'entendent, m'écoutent, me saisissent. C'est important, indispensable, capital, essentiel. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trompé de cible quand même en visant uniquement les jeunes de 3 à 12 ans? Parce qu'au-dessus de 12 ans, ça n'intéressait personne. Et alors là, vous me mettez un doigt sur un problème qui m'est cher. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi se limiter? Voyons plus grand. Et là, je m'adresse à tous nos concitoyens. Voyons plus grand. Il a été prévu de distribuer aux délinquants de moins de 3 ans, c'est important, des doudous imprimés aux couleurs de la police, des hochets en forme de matraque, mais également des petits pots saveur bœuf-carotte. Afin de les sensibiliser, je crois que c'est important. Bien sûr. Et le public adulte, alors? Ah, quand même penser aux adultes, monsieur Delage. J'y venais. Monsieur Delage s'inquiète, là. J'y venais, monsieur Rouquier. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne vendez pas la peau de l'ours. T'en va la cruche à l'eau. Alors, en ce qui concerne le public adulte, et afin de réconcilier ce public avec nos agents, monsieur, il a été prévu une mise en place d'une série d'objets promotionnels, et notamment bien. Pour le public masculin. Nous allons mettre en place une poupée gonflable habillée en contractuel qui sera disponible dans les magasins spécialisés que connaît bien monsieur Lemoine, je crois, pour l'y avoir croisé. Ah, vous avez des dossiers en plus. Oh, énormément. Nous allons également organiser des apéros-concerts au sein des commissariats, animés par le policier des villages People, c'est important, mais également de grandes opérations d'immersion dans le monde de la police, à l'image de Vie ma vie, un peu, vous voyez, partez en vacances avec un policier, vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est bien pire. Bien. Je ne me souviens plus du reste. En revanche? Ah oui, en revanche. Je vous remercie. En revanche, nous ne réitérerons pas l'opération porte ouverte dans le monde carcéral que nous avions organisée l'année dernière pour des raisons XY. Z. Comment allez-vous répondre au manque de moyens de la police en France? Nous allons y répondre. C'est une chose. Eh bien, je tiens à rassurer les syndicats de policiers. Nous allons débloquer un énorme budget pour la police, puisqu'il pour un montant qui s'élève à plus d'euros. Ah. Petit problème de micro. Vous réparerez ça au montage, je crois qu'il y a eu une petite coupe de son. Vous savez, pour revenir sur ce problème d'image dont souffrent les policiers, je connais bien la police. Je suis proche des policiers. Je connais très bien Roger Hanin, avec qui je dîne très souvent, c'est un ami, et Yves Régnier. Et je peux vous dire qu'ils ont un métier difficile. C'est vrai. Hein, des heures d'attente pour 3 minutes de tournage, croyez-moi,
croyez-moi, vous seriez surpris. Vous êtes au courant quand même que certains agents ont même des... Et M. Delage pourra témoigner, des uniformes troués. Ils attendent leurs nouveaux uniformes, hein, je crois, certains policiers. Oui. Hein? Absolument. J'ai eu vent de cette affaire. Il n'y a pas de jeu de mots, M. Vandel. J'ai eu vent de ce problème, bien évidemment, et je m'engage solennellement à envoyer à chacun de ces agents, dont le pantalon est troué, à chacun de ces agents un écusson à l'effigie de M. Sarkozy, ainsi que du fil et une aiguille. Ainsi, ils pourront rapiécer leur fond de culotte et par là même avoir Sarkozy au cul toute la journée. Vous voyez Non. Oh, excusez-nous, là. Vous voyez, je voulais juste vous montrer qu'on ne manque pas d'humour au gouvernement. Bien sûr. Poil aux dents. Allez, merci de m'avoir reçu. Poil aux, je vous laisse. Écoutez, on descend partout. Dominique Picot. We'll be right back.